طلب العلم فريضة على كل مسلم. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. Donc cette invocation, les enfants, on la répète 100 fois tous les jours. Vous pensez que c'est beaucoup, mais en réalité, celui qui la répète tranquillement 100 fois, en 12 minutes, il l'a répété. Et tu gagnes beaucoup de hasanat. Et Allah, il t'enlève beaucoup de péchés. Et Allah, Azza wa Jal, il te protège et il te préserve. D'accord les enfants? Donc il est important de l'apprendre et de la répéter. Donc, on continue dans notre série de questions. Est-ce qu'il y avait des hommes, est-ce qu'il y avait d'autres hommes avant nous, avant les êtres humains? Est-ce qu'il y avait les hommes préhistoriques, les hommes des cavernes? Il y a... Les hommes préhistoriques, ils ont existé ou pas? On croit qu'ils ont existé, mais non. Alors, certains pensent qu'ils ont existé. Alors, il est important, les enfants, de retenir cela, parce qu'il n'y a rien de plus important que ça. Adam, alayhi salam, c'est lui le premier des êtres humains. C'est lui, Aboul Bachar. Répétez, Aboul Bachar. C'est lui le père de l'humanité. C'est lui le père des êtres humains. C'est-à-dire qu'avant lui, il n'y avait pas d'êtres humains. Mais avant lui, il y avait des espèces vivantes. Avant lui, il y avait des animaux, il y avait des bêtes sauvages, il y avait des poissons, il y avait des hommes, il y avait des anges, pardon. Il y avait des djinns, mais il n'y avait pas des hommes, il n'y avait pas des êtres humains. D'accord? Il n'y avait pas des êtres humains. Et on a dit qu'il y avait des animaux qui existaient avant Adam, alayhi salam. Et parmi ces animaux, il y avait le singe. Parmi ces animaux, il y avait le singe. Et vous connaissez les singes. Il y a des petits singes, il y a des grands singes, il y a des singes qui se mettent debout, il y a des singes qui marchent à quatre pattes, il y a des singes qui marchent sur deux pattes, etc. D'accord? Mais ces singes-là, est-ce que c'était des hommes? Est-ce que c'était des êtres humains? Non, parce qu'en réalité, il n'y a pas ce que l'on appelle le tronc commun. Il n'y a pas de lien entre le singe et l'être humain. Un être humain, c'est un être humain, et un singe, c'est un singe. Est-ce que nous, on est des singes? Non. Est-ce que nos grands-parents et nos arrière-arrière-arrière-grands-parents, c'était des singes? Non. Est-ce qu'on descend du singe? Non. D'accord, c'est pas parce que le singe, il se tenait debout avant les êtres humains qu'on doit penser que les êtres humains, ils descendent du singe. Donc, on reprend les enfants. L'être humain ne descend pas du singe. L'être humain ne descend pas du singe. D'accord? Il ne descend pas du singe. Le singe, c'est un singe. Et l'être humain, c'est un être humain. Najmi, on n'écrit pas sur ses mains. Allah il nous a donné des mains et on garde les mains propres. Parce qu'on mange avec les mains, on dit salam alaikum avec les mains, on donne. Donc on n'écrit pas sur nos mains, on ne salit pas nos mains. D'accord les enfants? Et après, c'est pour ça que quand tu laves tes mains, quand tu salis tes mains, tu laves tes mains. D'accord les enfants? Alors certains, ils ont cru qu'il y avait une ressemblance entre les singes, les doigts des singes ou les singes et les êtres humains. Mais en réalité, ce qui est le premier des êtres humains, c'est Adam. Est-ce que c'est Lucie? Est-ce que la première femme, c'est Lucie? Est-ce que c'est les hommes des cavernes? Est-ce que c'est les hommes préhistoriques? Non.
Le premier des êtres humains, c'est Adam. Répétez. Le premier des êtres humains, c'est Adam. Répétez toute la phrase. Le premier des êtres humains, c'est Adam. Le premier des êtres humains, c'est Adam. Alayhi salam. طلب العلم فريضة على كل مسلم. Apprendre la science est une obligation pour chaque musulman.